bien ouvrir son abdos. Le séisme. Ah, le séisme pour Pharamp. Le Pharamp qui tient le séisme. Voilà, le Landoté qui meurt, hein, quand même. Point de fer Choice Band. Hein. D'ailleurs, c'est quand même assez puissant. Hein. C'est vraiment putain de puissant. Et là, en fait, là, je peux gagner. Là, je peux gagner, en fait, du coup. Ah, putain, Will-O-Wisp. Ouais. Yes! Ah merde, non. Ah non, ah mais non, ah mais oui, j'avais oublié qu'il restait lui, ah merde. Ah, ah bon, bon, bah non, je suis mort en fait. Ah merde, cool le Katie, ah sérieux, j'ai le Katie check. Ah stylé. Oh là, le mec qui joue cancer comme moi, voilà. Voilà. Bon bah du coup. Alors là je dis rien mais je crois que ça joue cancer. Vas-y après ce match là je vais faire du nuzz là parce que je suis pas trop à la strat ce matin. Pas trop la tête à la strat. Du coup je pense que je vais reprendre mon random Nuzlocke sur Pokémon Rouge 6G hashtag le nouveau jeu Pokémon annoncé par 4chan hein, toujours pas trop de stall. Non ça va hein, pas trop de stall. Il n'y a pas trop de stall, c'est parfait hein, toujours. On va faire ça, ça, ça. Et ça. Voilà, on va se faire intimider hein, pour changer. Hop, intimidation. Nuzlocke. Quoi, tu ne sais. Sais-tu ce qu'est le Nuzlocke? Ça c'est toute la question. Tu vas te faire. Oui, je vais me faire guaquer, je vais rager, bah oui bien sûr. Comme toujours. Hein. Hop, moi aussi j'utilise abri. Le Will-O-Wisp dans ta chatte. Dans la chatte à ta mère. Là par contre là c'est dangereux. Ouais je. Alors du coup qu'est-ce qu'un Nuzlocke? En fait un Nuzlocke c'est un. En gros c'est une aventure où donc du coup. Où il y a des règles bien spécifiques. Attends, parce que du coup je joue mon match en même temps. Hein. Désolé. Où il y a des règles bien spécifiques. Donc du coup, déjà, on a le droit de capturer qu'un seul Pokémon par zone. Donc c'est-à-dire route. Oh, les ZDB qui fait que dalle. Par route, sinon chaque Pokémon Mikao est considéré comme définitivement mort. Puis après tu peux rajouter plein de règles, mais ça sont les règles de base si tu veux. Donc voilà. Donc par exemple j'arrive sur une route, bam, le premier Pokémon que je rencontre, soit je le capture pas, ça moins ça m'aiguise, mais par contre je pourrais pas en avoir d'autres. Et du coup il faudra que j'attende la route suivante ou la prochaine ville ou truc comme ça où je pourrais attraper un Pokémon en fait. Et du coup là sur le Nuzlocke qu'on va reprendre, donc du coup on a Arceus et Demeteros hein. Arceus qui était mon starter. Nerl, ah là là. Cancer. Cancer sur quoi de ces trucs.
Si j'avais pas pris quand même l'intimidation sur Rampardos, je pense que le Rock Slide tuait le l'Arcanin, parce que là l'Arcanin il me fait gravement chier. Rage poudre, ouais. Ça tombe bien, je comptais attaquer toi et personne d'autre. Oh putain, oh là là. On est dans la merde. On va se faire niquer. On va se faire niquer. Ouais, le psychoc. Hop, ça tu peux arriver toi, parfait. Très très bien mon ami, très très bien, très très bien. Là on va exploser. On va exploser, hein. Bah exploser. Et du coup on va tenter normalement ou. Oh oui normalement oui en fait on peut finir. Ouais on peut finir la game avec Mega Pharan. Ah, il forfait. Ok. Voilà. Donc, du coup, attendez, je vais passer sur le Nuzlocke. Attendez. Donc, Shodan, on ferme. Voilà. Ah, attendez. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Ça doit être sur Game Boy normalement. Ouais, elle est où? Ça doit être Nuzlocke. Oui! Très bien, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé la run. J'ai retrouvé la run. Et donc du coup c'est JBC. Du coup à la place de ma tête en fait il y a un gif. Hop, on enlève le gif. Vérifier de capture vidéo. Ok. Voilà. Donc là, voilà, on va jouer à League of Legends. Hein. Voilà. On va faire des vues en montrant nos seins et tout. Non, je déconne. Pas déconner non plus. En fait, du coup, bon, tant pis, je vais mettre ça sur le Twitter, mais c'est pas grave. Tiens, je sais pas. Là, il y a Moubot qui est là dans le chat pour rappeler que j'ai un Twitter. Ouais. Alors, du coup, attendez, j'enlève ma souris. Et attendez, ne bougez pas. Je vais chercher hop, ma manette. Qui est là? La belle manette. Si, si, très bon jeu vidéo, League of Legends. Pardon. Non. Non, en fait, non. Ah, en fait, non, pas du tout. En fait, c'est de la merde. En fait, non, c'est pas le jeu vidéo en lui-même qui est de la merde. C'est la commu qui est la merde. C'est la commu qui est pourrie. Ah voilà, ouais c'est bon, hop. Ah, parce que du coup si j'avais un petit doute avec la nouvelle mise à jour de Macintosh, je me suis dit, voilà, oui, joli caleçon bleu. Ouais, bah oui, mais attendez, vous avez cru que j'allais m'habiller totalement pour vous? Non mais oh. Oh. Alors on veut se battre contre Phil Long, très très bien. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ça envoie machin. Alors, le pot céleste. On va faire jump kick. Hop, parfait. Scarino, très très bien. Talonflame, Counter Team. Ah oui, alors du coup, quand même. Donc du coup, petit rappel vite fait de l'équipe, parce que du coup en fait on a aussi directement le combat. Po Céleste, Scarabrut, qui est notre Scarabrut. Demeteros, je suis ban. Putaceas, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est notre Linéon. Et Omega de notre Arceus. Ah ouais mais du coup, ouais. Unflame. Waouh, on va les faire confuser.
Talonflame qui utilise berceuse, hein. Oui. Oui. Talonflame avec berceuse, hein. Bien sûr, toujours, toujours. Du coup, j'ai envoyé, je suis ban. Du coup, à la base, je voulais changer, hein. Je précise. Il se blesse dans sa confusion, très très bien. Très très bien. Le Rock Slide qui miss. Putain. Rock Slide. Oh, Céleste doit prendre Glaire. Glaire, alors c'est intimidation. Ouais, non, on s'en bat les couilles. Les mecs se font chier à faire les sprites jusqu'à la 6G chaud. Ouais, mais c'est stylé. Ouais. Alors, Quilladin, je vois très bien, c'est Bogiris. Ça tombe très bien, on a Poison Fang. Pour les Bogiris. Entre autres, hein, c'est du coup. J'ai envie de dire Counter. Ah non! Ah non, alors là, alors déjà le fait qu'il tient c'est indécent, mais alors qu'en fait qu'il est Bubble Beam. Non. Shadow Claw, hop, voilà, on finit avec Shadow Claw. Hop! Très bien. Oh, on a battu Fillon. Voilà. Attendez, du coup, je sais plus trop où est-ce qu'il faut que j'aille en fait là maintenant. J'aille me battre contre Morgane. Qui est donc à Safrania. Bah attends, on va remonter par là en fait. Y a mon portable qui s'excite d'un coup là. D'un coup, d'un seul. Tape pas dans le fond, tape dans le fond, je suis pas ta mère. D'accord, ce sont mes mails qui arrivent. Ce sont mes mails qui sont en train d'arriver les uns après les autres. C'est génial. Hein. C'est beau. Hop, on remonte. Tu as la Sylph Sarl. Je la sais. Mais tu n'as pas le level. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que je l'ai affronté? Je sais. Tu as la Poképlute? Oui. J'ai la Poképlute. Je l'ai. I got the Pokéflute. Yes. The Poképipo. I got the Poképipo. Yes. Yes. My lord. Yes, my lord. Ouais, j'ai des Pokémon qui ont peut-être pas forcément un level de ouf. Mais qui ont le mérite. Oh putain. Mais qui ont le mérite d'être des Pokémon assez pétés quand même. Hein, donc. Ça contrebalance assez. Hein. Puis après, faut pas oublier aussi que c'est du random. Hein. Si ça se trouve, ils peuvent avoir tous des ratatas. Hein. Ah, Lord Helix. Très très bien. Lord Helix. Lord Helix, il va prendre un jump kick et il va retourner avec Tico à la préhistoire. Voilà. Fenard. Ah oui, Arceus quand même, merde. Hop, tu vas prendre un Rock Slide et tu vas fermer ta gueule. Les moves pool c'est un jet par contre. Non, pas du tout, les moves ont été mis à jour. On peut se retrouver par exemple avec des Moonblast, des trucs comme ça. On peut se retrouver avec plein de trucs. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire courir mon personnage, mais j'oublie que c'est sans possibilité en fait. Parce que du coup, la première génération, tout ça courir, je l'ai pas. Hein. Mon dieu. Hop. Yes. Soigne-moi. Putain, je me sens tellement convaincu. Qu'est-ce qui se passe, Madame Bastille? Dis-nous tout, ma Bastille. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ouais. Du coup, ce que
je vais faire. Ah, voilà. Donc du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va direct. On va direct aller au dojo pour faire un peu d'XP. Puis je me propose des onglets pour stocker mes emotes. Ah ouais? Je propose un onglet pour stocker tes emotes. C'est bizarre ça. Mais là Twitch ils ont fait quelques petites rénovations. Notamment je pense que vous avez pu remarquer que le player Twitch a changé par exemple. Ah 31-26 ça va. Dark Pulse. LOL. Jump kick. Bam. Retourne chez ta mère. Voilà. Lilip. C'est pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça Lilip? Dans le doute, je vais mettre Omigod. Ah d'accord, c'est ce truc là. Ah non, mais en fait, je peux les masquer. Ah bon? D'accord, mais ça, en fait, ça sert à rien. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Ah, voilà. Pédosclope pour envoyer je suis ban, puisque du coup, on a Shadowclaw. Hop, coup critique, c'est bon. On passe niveau 31. On veut apprendre. Étreinte. Comment dire que non? Voilà, par contre, là, faut pas oublier que du coup, en fait, on pourra pas avoir le Pokémon du dojo. Parce qu'en fait, si normalement, en fait, c'est avec ce genre de run, si on prend le Pokémon du dojo, en fait, ça peut faire bugger toute la run. Ça peut faire crash la run. Ouais, alors t'as pas trop vendu ton boule. Le jour où t'auras trop vendu ton boule, c'est que t'auras vendu ton boule à moi. Et là, là, ce sera dramatique. Hop, ça empoisonne. Light screen, non. L'insecte, c'est physique. L'insecte, c'est physique en première génération. Et Aaron, il va pas kiffer le jump kick. Et voilà. Formidable quand même notre Poceleste. Du coup, ça le fait EP un peu, Poceleste, c'est pas mal. Scarabrut en soi, c'est pas si mauvais. Hey, got to your mother. Yes, I can speak a little bit English. On va switcher. Mettre la pute à CS. Les vrais strats, X attaque, tout ça, Ok, if you want, you can go. Hein. Ok, hop. Ok, go fuck your mother. Ouais. Personne like you on my stream, I don't want. I don't want person like you on my stream. So, speak French connard et reviens un jour peut-être et on verra. Wow, aïe, body slam, aïe. Ah, pila para. Genre Yomigon. Un
mais c'est chiant, ça c'est vrai, les Américains qui se croient tout permis. Hein? Passons le. Passons, l'Amérique est un pays de cons. Hein. Franchement, je déteste, c'est vite dit, mais. Enfin, je supporte pas les Américains. Enfin, l'Amérique en général, parce que du coup, c'est. Ils se prennent pour je ne sais pas quoi et ça m'énerve. Tu vois, sous prétexte que ce sont les plus beaux, ce sont les plus forts, c'est une hyperpuissance. C'est une hyperpuissance mondiale, machin. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, ouais. Après, hein, il fait ce qu'il veut. Ça me regarde pas. Moi, ça me regarde pas. Hein. You look like Pikachu. Ok. I think I'm looking like more slacking. Registia. Oui, on va changer. On va changer, envoyer Omigod. Ah, le Registil, comment il est dégueulasse. On pourrait faire un petit coup d'amnésie parce qu'en fait je suis pas sûr de. En fait je sais pas si je peux le tuer en un coup ou pas. Ah voilà, mon spécial de toute façon est augmenté. Non mais je voulais pas faire Ice Beam, je suis trop con moi. Un coup critique, ok, X attaque. L'MDR. Par contre toi tu prends ton Crabhammer et tu dégages. Ah non, même pas ça tue. Oh. Insupportable ce poké. Hop, on te refait un X Beam et voilà. Oui, non, mais clairement, moi aussi ça me fait chier, je t'en rassure, ma base cible. Hein. Moi aussi, ça m'énerve. Ok, bon, donc du coup, on pourra pas prendre le. Salut MPS Diablo. Oh non, le Pokémon de l'enfer. I will call you Diketu. Ok. Hop, le jump kick qui passe. Ok, il spam les substitutes, hein. Ah, là, ah, putain, merde. On a perdu Po Céleste. Po Céleste est mort. Po Céleste est mort, putain. De toute façon, la pute assez, ça ne sert à rien. Du coup, va falloir farmer l'XP avec ce qu'on peut. Signal Beam. Ah, oh, ça tue même pas, il devient confus. Ah, GG Gogox pour le Tilton. GG. GG. Je peux prendre une photo, la mettre sur Twitter et me mentionner, et comme ça je me ferai un plaisir de RT Fav, hein, pour chaton shiny. Putain, le foufrou quoi, non mais nique sa mère, foufrou. Nique ta mère, foufrou, nique ta mère. Mais genre il meurt pas. Mais pourquoi il est. Putain, mais putain, lui peut mort, putain. Meurs! Meurs, merde! Putain! Ok, sauf que le problème, donc du coup, on peut pas choisir un Pokémon parce que sinon la rampe va crash. Et c'est pas du tout le but. On va accélérer un peu. Non, on peut pas accélérer. Oh merde. Je ne peux pas accélérer. Aïe aïe aïe. Il est où déjà le centre poké? Infirmière Joël, t'es où? Ah, t'es là! Joël!
Le racisme des Asiates. J'ai entendu Movi. Hein. Attention. J'ai entendu jouer là comme Movi. Et du coup, apparemment, là, on n'a plus de musique. Alors, on va trouver une autre musique. On va trouver d'autres musiques. Bah oui, bien sûr, on va mettre du One Direction, c'est bien connu. Je suis un grand fan de One Direction. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas d'idée. Si je vais dans pour vous, qu'est-ce qu'il me propose? Qu'est-ce qu'il va me proposer dans pour vous? Il n'y a pas de... Ah, il y a du slash là. Allez hop, let's go. Hop. Donc du coup, Post-Céleste, hein, RIP. Non, c'est bon. En plus, normalement, de toute façon, on n'a pas de Pokémon dans les boîtes. Ou alors ils doivent être vraiment très très bas level. En fait concrètement ça va être compliqué. Attendez, deux secondes. Une vraie cigarette. Du coup, là, s'il sort, c'est là. Voilà. Là, s'il fait ça. Là. This game is awesome. Yes. Carnivine, ça va. L'autre qui dit que je suis... Dalia qui dit que je suis pas au niveau, tu te fous de ma gueule? Tu fumes comme un patron, c'est marrant. Ah bon? Qu'est-ce que tu appelles fumer comme un patron en fait? Juste endroit pour aller plus vite d'un sylph. Ah ouais, mais bon. Voilà, on cherche pas forcément à faire le plus grand speedrun de tous les temps. Ah, le rival, il a des poké level 40. Pff, ouais, mais le rival. Voilà, le rival, je suis sûr qu'il se balade encore avec une 9. Voilà. L'invitar. L'invitar, c'est pas un souci. Bon, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Vibrava, ouais c'est Vibrana, c'est ça. Alors oui, peut-être c'est un peu plus chiant, peut-être un peu. Non, pff, ok. Non, non, ma Bastiblo a dit que, en fait, c'est Pokémon Rouge en lui-même, hein, qui est de... Ça parle de Pokémon Rouge. Enfin, il ou elle. Ok, cool. Hop, le ban, très très bien. Du coup...
coup, non, pas par là. Ah, du coup, faut que je trouve mon chemin. Et vu que les, vu qu'on a changé aussi les sprites, du coup en fait je reconnais, je sais pas qui est méchant, qui est gentil. Oui, c'est plus compliqué. Oh, lui c'est un méchant à tous les coups. Oui. Chest note. Ok. Chest note. Et ben, il va se prendre un Poison Fang. Steelwing fait absolument zéro de dégâts. Ok, Mewtwo. Bah oui, bien sûr. Mewtwo. C'est une acrom, c'est toi qui, c'est moi qui l'ai randomisé. Éventuellement, Dahlia, est-ce que tu peux mettre dans le chat le lien du site internet pour randomiser la ROM comme moi, là. Éventuellement, pour ceux qui veulent. Ça envoie Kingdra. Va taper dans le stab, stomp. Boum, oh, il n'y a pas de mind game. Ah d'accord, j'ai atterri là. Oh, nique sa mère. Ok, un méchant encore. Hein. Par contre, lisez bien les instructions. Hein. Enfin, surtout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ce qu'il faut pas faire, c'est utiliser la pension. Faut pas utiliser la pension, faut pas prendre les Pokémon. Le Pokémon qu'on nous offre au dojo. Il y a un autre truc. Ça rome. Ah, sans l'espace, ça rome. Ça rome, ça roumane. Oh là là, les blagues, hein. Putain, merde. Raiden m'a contaminé. Raiden m'a tué. Raiden m'a tué. Non, c'est gentil. Ok. Ah oui, c'est ça, c'est le dernier, ouais, la dernière recommandation, c'est de ne pas faire Mewtwo. Parce que du coup, Mewtwo, il fait aussi crash la Rome, le vilain, le coquin. Ouais, la blague de mec crevé. Ah, puis surtout, en fait, c'est surtout qu'après le stream, en plus, il va falloir que je bosse un peu, parce que j'ai un... J'ai un exposé qu'il faut que je, sur lequel il faut que j'avance. Parce que du coup c'est un exposé que je passe mardi. Et qu'il va pas se faire tout seul. Donc il faut que je le fasse. Ça en plus ça va encore plus me crever. Ça va surtout plus me faire chier. Parce que du coup faut que j'envoie là. En fait, mon prof il m'a dit qu'il fallait que je lui envoie mon plan de cours aujourd'hui impérativement. Sinon, il va me dire, voilà, monsieur Timonier, vous n'êtes qu'une pompe à merde. Retournez jouer avec vos crottes de nez. Sidra, bon, c'est pas un souci, ça, Sidra. Stomp. Ah, ça tue pas. Alors le Twindle qui... Non, c'est bon, ça va, il ne vous empoisonne pas avec Twindle.
Twindle, double dard en français. Du coup, on va monter. Pas monter d'un étage. Ah non. Oh là là. Dites-moi, est-ce que le stream tourne bien chez vous? Parce que du coup, je vois que mes images perdues augmentent à vitesse grand V. Et ça me ferait chier d'avoir un stream qui tourne mal. Ok, paralysé, Dark Pulse. Léopardus. Ça va? Bon, cool. Bah oui, baisse encore ma vitesse. Bon. Alors, si c'est bon. Il me dit que j'ai à peu près 2500 d'images perdues. De toute façon, je pense que de toute façon, après le stream, il y aura un reboot de ma box. Hein, de toute façon. Bah si c'est bon alors. Comme dirait l'autre, si tout est bon dans le cochon. Meditica. Faire Shadow Claw. Hein. La méga corne hein, qui nous fera strictement rien. Par contre, la Shadow Claw, ça va pas être le même débat. On passe level 35. War Madame. Ok, voilà. Bonjour, Ice Beam. Bonjour, Ice Beam. On peut parler vraiment d'une révolution. Je trouve ça tellement bien de mettre les nouvelles mécaniques dans un... Ouais, moi je trouve ça vraiment cool aussi. Hein. Je sais pas, moi je kiffe. Putain, je suis à rechou là. Putain, oh là là. Ouais, le spray de Meditica il est dégueu, ouais, je suis assez d'accord. Mais après, ouais, non, mais il y a des sprays qui sont dégueux, mais il y a des sprays qui sont vraiment, vraiment stylés. Raptor chic. Il va se prendre un rock slide. D'accord, il a appris signal beam. C'est pas le meilleur truc à prendre sur Demeteros, mais bon. Hop, la parax. Du coup, je vais faire poison fang. Téléport, bah oui, bien sûr. Mega punch. Pff, voilà. Il ne fait strictement rien, ça va. Hein. Du bol. Tu veux un peu d'aide pour le chemin? Ouais, on verra. Mawile. Un petit passier. Pas grand chose contre lui. Un Mawile aussi, il est pas très beau. Hein. Le voyage ennemi, ça, bien sûr, toujours. Hop, Blitzel. Prendre un stomp. Voilà. Parfait. Ouais, éventuellement peut-être un peu d'aide même pour le chemin. Peut-être pour le chemin ne serait peut-être pas de refus. Ah bah non, attends, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai trouvé au moins où avoir la carte magnétique. D'accord. Les notes de Dahlia.
Ouais. Raining Kiss. Ça fera pas grand chose. Qu'est-ce qu'ils ont tous à avoir téléport là? Oh, t'es sérieux? J'ai plus de place dans mon sac. Ouais, par exemple, oui, Funard, oui, par contre, oui, par exemple, lui, il est. Ouais, lui, il est ici. Pulse. Slide. Non, on en a déjà un. Rock Slide. Fouida, on dirait une poupée. Je suis assez d'accord. X-Scissor. Ouais, non. Amnésie, non plus. Megadrain. Bon, il n'y a personne qui a apte. Sky Attack, non plus. Sinon, on va jeter une CT, hein. Ouais, on va jeter une CT et puis c'est tout. Ah bah tiens, allez hop, toi tu vas prendre Seismitos. Tu vas fermer ta gueule. Et voilà, du coup on a gagné de la place. La carte qui, voilà. Attends, étage 9. Bah oui, le kiff unanime de Fouinard, hein, toujours. Tout ce qui est kawaii, on aime bien, hein. Droite, là. Hop, gauche téléporteur. Téléporteur deux fois. Ouvrir porte, téléporteur droit. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai compris. Attends, hop. Mémorité. Ah oui, c'est vrai. Lol. Hop, on va jeter nos deux CT flamèches. Hop, voilà. HP up, ok. Je vais utiliser HP up. Hop, je suis ban, sa vie augmente. Hop. Non, ça fonctionne pas comme ça, Diangnu. Alors la chanson, c'était une playlist, enfin c'est une chanson de Slash. C'est une chanson de Slash. Là, en gros, là en fait, on a une playlist de Slash. Le Slash, le groupe de rock. TM20. Oh non, TM20, attends, attends. Non, la TM20, il me semble que c'est Flamèche, la CT qu'on vient de jeter. Mais t'es sérieux, mais... Dégage. Pute. Ouais. Ah, puis après on recline. TM20 everywhere. Too much TM20, 7,8 sur 10. Squalor. Squalor.
Hop, le Registeel encore. Bah écoute, on va spammer les amnésies. C'était Flamèche, c'est cool. Non. Et salut mon amour, comment ça va? Là, tu vas prendre un gros crabe hammer et tu vas fermer ta chatte. T'es sérieux, mais et en plus, c'est un coup critique, quoi, merde. Ah bah la Gen 1 miss. Le Ice Beam qui a miss. Ah non, mais... Non mais c'est surtout que merde quoi, le coup critique. Ah non mais coup critique. Coup critique avec deux amnésies, merde. Hop voilà. Je suis soigné. Le crit ne me rend pas compte les changements de stats. Ah bah oui mais alors mais c'est de la merde, mais ils niquent bien leur mère alors putain. Non attends, c'est pas par là. Normalement, du moment, on arrive par là. Hop, on se tape le connard. Hop, normalement, on va par là. Ah, bah non. Alors, c'est peut-être par là. Ah, oui, c'est là. Hop, et du coup, on va se battre contre ta mère. Ah, très très bien. Tu me regardes dans ton lit. Ah, parfait. Parfait, 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 parfait. Ça va, ça va, ça va. Tortole 37, ouais. On va faire un rock slide. Voilà, on va être par des météoros, c'est génial, c'est la fête, putain, là là, mais... Putain, je hais ce jeu. Vanillish, ouais, tranquille. Hop, one shot. Non, puis surtout, non, c'est le pire, c'est que je me suis dit, Karabaf, c'est random, ça va. C'est ça, c'est ça. C'est juste, je me suis dit, Karabaf, de toute façon, si le jeu est random, ça passe. Et voilà, puis en plus, derrière, il a que de la merde, il a que du caca. Là, Demeteros, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Agron, moi, tranquille. Oh mais le crabhammer qui mise, putain, nique ta mère. Ah oui, il y a Grande Blizzard, hein, oui, bien sûr, hein, New Meta. Marre. Marre. J'en ai marre. Heureusement, là, attendez. Là, on va nous donner un nouveau Pokémon. Normalement, on va être censé être le classe. Oui, Darumaka. Ah bah non, merde, c'est Daruma... Ah, c'est Darumaron. Bah, je vais l'appeler... Moi, je vais l'appeler le macho. Ouais, c'est... Ouais, c'est Lapras. Non, mais c'est pas Lapras.
Ah putain, il est que level 15. Ah puis non putain, il est vraiment de la merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire XP. Hein. On va le faire XP un chouïa. Il y aura peut-être des combats où il pourra gérer, je sais pas trop. On verra. Ah, ça c'est du sprite à l'envers, ça c'est beau. C'est beau, on aime quand c'est comme ça. Thunder Punch. Hop, Crabhammer qui mise encore. Je crois que je vais finir par. Je sens que je vais finir par me dire Crabhammer, j'en ai marre, ça m'y saoule tant, je vais lui apprendre Water Pulse. Ah, attends, il y a un tweet. Ah, il y a le lien de tweet. Ah, très très bien. Je retweet et je fave. Hop, je vous invite. Je vous invite également à retweeter ce tweet magnifique, hein. Le tweet d'MPS Diablo, hein, vous cherchez un peu. Parce que moi, je peux pas faire de copier-coller. LOL. Bah oui, ultra laser, histoire 2, bah oui, c'est la fête. Ça fait rien du tout, c'est bien, c'est beau. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau un monde qui joue, comme dirait Mister MV. El Macho monte level 16. C'est tout? Putain. Bon, en fait, c'est de la merde, hein. Je le filerai en sacrifice. Oh putain, il tient et en plus il va me faire mania. Ça ne me fait rien. Parfait. Bon allez, on va se soigner un petit coup vite fait. Parce que j'ai la flemme de faire le chemin arrière juste pour aller dans un lit. Hop, bingo. On va mettre Migot direct. Mettre Migot direct. Ah, nouvelle emote hype. Ah, on va voir ça. Ah là, mais vous êtes des génies, hein. Vous êtes des génies, les gars. Ouais, je garde ça de côté. Je mettrai ça sur Franker Fazy tout à l'heure. Hop, bullet seed, ça va. Vivillon. Elle se prend un Ice Beam comme tout le monde. Super effective. Level 37. Mew. Bah oui, Mew, histoire 2, oui. Trouvé sous le camion, toujours, hein. Le Mew sous le camion. Ah d'accord, c'est un coup critique en plus. Tellement bonne ta tête. Ouais, non mais. J'ai plein de têtes rigolotes, hein, comme ça en stock. Darmitan! Un de mes mains. Voilà. Niveau 41, voilà. Je peux faire plein de têtes différentes, hein.
bah oui, le type de le type bien sûr Et ma Master Ball, connard, il m'a donné une pauvre CT à la place là, une plus une CT que j'ai déjà. La CT X-Scissor, putain. Ça valait le coup que je sauve le monde. Oui oui, ça remplacera sans doute le Swiftorage. Le PDG c'est un seal. Ouais. Ah mais je me suis fait. Ouais non mais je me suis même. C'est même pas du quoi que je me suis pris, c'est. Je me suis fait enculer. Merci Mimirk pour le follow. Mec veut se faire spam plus tard, j'avoue. Je suis une pute à clic. Je veux pas test. Donc du coup, faut qu'on aille au centre Pokémon. Faut qu'on aille au centre Pokémon. Hop, on soigne. Enfin. Surtout, on va déposer dans la boîte. Salut Mimirk, comment ça va? Donc du coup, on va déposer... On va déposer notre Demeteros. Alors je propose, pour cet événement tragique, bien sûr... attendez... Une musique... triste... minute de silence... pour Demeteros. La minute de silence pour Demeteros. Demeteros, tu étais le plus beau, tu étais le plus fort. On ne t'oubliera jamais. C'est pour cela que maintenant, après cette mort indigne de toi, voilà, nous te rendons hommage. Nous te rendons un grand hommage pour ce service rendu à la nation. Te rendons un grand hommage. Tu nous as aidé tout au long de ce jeu. Toi, avec ton talent Sheer Force, ton Rock Slide dévastateur, ton attaque Rayon Signal qui nous a sauvé plus d'une fois la mise. Pour tout cela, nous te disons merci. Tu as été comme un frère pour moi. Un vrai pote. Je ne t'oublierai jamais. Nous te rendons hommage. Nous prions pour toi pour que dans le paradis des Pokémon, tout se passe bien pour toi.
T'aimions vraiment très fort, Demetros. Tu étais vraiment le meilleur compagnon qu'il soit. Pour cela, nous allons vraiment te rendre hommage. Oui, Watt, le jeu ne comprend pas lui-même.
Je fais du Pokémon que pour avoir du pognon. Voilà, c'est absolument pas par passion que je fais du Pokémon. Celui qui est en haut, en bas de toi, quoi. Ouais, mais oui, merci Jérôme, j'avais compris maintenant. Allez! 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 Ah bah bravo, ça fonctionne bien, hein! Bravo, 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 bravo! Bravo, j'applaudis à demain. Voilà. Hop. Hop. En X maintenant. Au gauche, bas droite. Bah ouais, mais non, c'est trop tard là. Oui. Ah voilà, c'est chic, ça a marché. Ouais. Ouais, je vais défoncer l'anus. Ouais, tu peux tordre des petites cuillères avec ton esprit. Et bah moi, on m'appelle le torsadeur d'anus. Et c'est pas qu'avec ma pensée que je peux tordre des anus. Alors, oula. Ah oui, d'accord, ça envoie Lost. À Campire pour un speedrun. Jamais. Je suis trop mauvais. Je suis pas, moi, je ne ferai pas un bon speedrunner, je pense. Je suis trop lent, je suis trop lent. On passe la belle carotte! Ouais! Encore un Zebriska? Eh ben, meurs, 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 meurs! De toute façon, depuis qu'on a perdu Demeteros, hein, je ne suis plus le même, je suis désolé. Hein. Franchement, je m'emporte, je fais n'importe quoi. Voilà. Ah non! Ah non! Ah non, 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 non. Bonjour Clara, comment ça va? Allô, oui. Ah, le respect. Allô, bonjour, le respect au téléphone, s'il vous plaît. Allô, allô. Allô. Terre, appel fusiliaire. Allô, 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 allô. Ouais, cool, j'ai battu Lorelai. Lorelai qui est Morgane, hein. Je précise. Oui, donne-moi ma CT, fais pas chier, machin, ouais, c'est PsyWave, ta mère, et ta mère, c'est PsyWave aussi. Bonjour, c'est Clara en direct de la caisse qui se fait chier. Comment ça va, Clara? Ouais. Et du coup, on nous a donné une CT qu'on a déjà, pour changer. J'ai l'impression. Ok. Mais en fait, on s'est fait niquer, je crois qu'on s'est fait enculer, on aura pas notre CT. Hop, maintenant on fait le chemin inverse. Voilà. Ah, j'ai pas le son quand même, faut pas abuser. Ah merde. Je vais parler. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais dire en langue des signes. Ah oui, aussi, puis le fameux ce qu'on faisait en primaire, hein. Je rigole comme une conne devant ma caisse. Ah, très bien. Bah du coup on va pouvoir se faire Auguste maintenant. Bien ça. Ah, attendez. 2 secondes.
Hop, on va accélérer un peu. Non, celui pour la fellation, on va éviter. Non. Je sais pas, je vais à un endroit pif. Hein. En fait, faut juste que j'essaye de trouver mon Pokémon qui a vol. Ah, ouais, ça se trouve, attends, j'ai peut-être un Pokémon dans mon truc qui peut avoir vol. C'est normalement, je l'ai vol. Enfin, je l'avais. Attends. Docteur Spicy. Je ne sais pas si j'ai vol en fait. Attends, deposit item. Oui. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas. T'as cru que je faisais du speedrun, que je savais exactement tout ce qu'il fallait que je fasse, que tout est écrit sur un papier, qu'il faut que je reset un Nidoran qui doit avoir je ne sais pas combien en attaque, je ne sais pas combien en vitesse. Tout ça pour voilà, pour que dalle, que chi, nada, merde, voilà, crotte de nez, 10 points pour Gryffondor. Donc voilà, bref, en l'occurrence, ne me faites pas chier! Merci. Mais évidemment qu'il a plus souvent zéro d'attaque, mais évidemment, ça saurait si t'avais de la chance, ça saurait, ben... Mais mec... Ah, je suis pas prêt. Ah bah voilà, c'était 0-2. Très très bien. CS-02, pardon. Lol. Viol. Ah bah très bien. Darumaron veut apprendre vol. Mais oui. À la place de 100 d'attaque, et voilà. Mais oui, c'est très le fun. C'est très le fun. Fun. Fun, 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 fun. 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 Là j'ai fait la langue des signes pour dire fun. Allez hop, Norage, je vole sur mon Darumaron. Je vole sur mon Darumaron, hein. Les rageux diront Les rageux diront, voilà, c'est, ce jeu est hacké. Mais les vrais diront, mais non. C'est juste que je suis un excellent dresseur de Pokémon. Allez, putain CS, surf. Ah mais attends, ça c'est une zone ça. Mais oui, ça c'est une zone. Ça c'est tout à fait une zone. Je me casse, j'en peux plus de ce jeu. Il est craqué. On est marre. Pour la fin, je vais boire du coca. Voilà. Vous entendez, hein? Hein? Ah. Elle est bien frais d'orage. Voilà, vous vous regardez un coup pas. Hein. Voilà, moi je mange une tranche de jambon aussi. Mais bien sûr qu'il est sympa ce moment. Bien sûr qu'il est sympa mon garçon. Putain 16, go! Utilise... Ah bah non mais cut ça ne fonctionne pas bien sûr. On va utiliser surf. Ça ne fait strictement rien.
Ah, que salut les saletés. C'est toi la saleté. Comment ça va, mon petit FX? Hop. Pokéball! Go! You missed the Pokémon. Très très bien. Il doit avoir une spéciale de malade. Oui, je pense. Heureusement, j'ai des Hyper Balls. You missed the Pokémon. Ah bah oui, et puis en plus, il utilise Sky Attack, bien sûr. Salé, ah, merde, pardon. Désolé, j'ai trop l'habitude qu'on me parle mal. Merde. Bon, faut pire. Oh, on va envoyer Daru Marron, hein. Il va mourir comme une merde. Voilà, même pas capable de faire quoi que ce soit. Quel Pokémon de merde. Comme ça, légendaire. Il a un taux de 3. Ah bah oui, d'accord. Du coup, s'il n'est pas dans le rouge, bah oui. Non mais là, faut arrêter, c'est bon, merci. Putain. Allez, rentre dans ta Great Ball, fils de pute. Du coup, s'il n'est pas dans le rouge, tu peux pas le capturer. Mais là, il est dans le rouge. Il est dans le rouge. Ouais, attendez, moi je vais faire un truc d'abord. Voilà, on a pris le push. On a pris un push. Que l'on va mettre, bien entendu, sur Twitter. Je vais mettre sur Twitter. Toujours un peu de pub. Hello me, it's me again. You can subdue but never tame. It gives me a migraine headache. Sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. And stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Ah merde, attendez, j'ai fait du caca. Hop, je suis en train de faire le tweet. Bah, je peux pas dire pourquoi tu le misses. Ah bah merci, ça vaut le coup d'être un grand speedrunner, hein. Merci beaucoup, Dalia. Ah, franchement, tu me déçois sur ce coup-là, Dalia. Franchement, non mais Dalia, stop. Merde, Dalia quoi, merde. Je m'en fous, je vais spammer les Pokéball. Je vais spammer les Pokéball. Non. Potion, quand même. Voilà. On va pas perdre notre starter quand même pour ça. Ah voilà, un statut, je le mets avec qui ton statut? Voilà, merci. Voilà, tu viens de répondre tout seul à ta question. Voilà, merci. Voilà, donc du coup ou pas, bah voilà, du coup on peut pas attraper ou pas, c'est génial, c'est la fête. Mais non, mais je m'en fous, je veux pas utiliser force, je veux utiliser surf, espèce de...
de ta mère, de ta chatte, de ta charte. Oh là là, non. Mais d'où elle m'a vu? Elle était dedans. Elle était dedans. Titi. Ouais, j'utilise surf. Ouais. Hop, Weedle. Weedle. Aspico aéro piqué. Les vrais strat. Mais c'est pas un problème pour la putain CS. Ah mon dieu. Non. Mais ta gueule, je vais pas me battre. Je viens de louper la capture de Oupa. Nique ta mère. En plus t'as tort tank. Eh ben écoute, va niquer ta mère. Wouah, sosmic dance. 26 PV. Voilà, très très bien. Super Fang. Ah, salut Dark Lugia, comment ça va? Ah, je fais bien le frappe atlas. Oui. Voilà, merci. Putain, j'y crois pas. Non, mais la pute ACS va nous sauver le truc. C'est jeu. Ah, Vanillite. Retourne chez ta mère. Moi, comment ça va? Là, en ce moment, je suis instable mentalement. Je viens de louper ou pas que je pouvais capturer un Pokémon de zone. J'ai perdu mon Demeteros, qui était l'un de mes, enfin, qui était avec Arceus le meilleur des Pokémon de ma team, tout simplement sur une erreur, tout simplement à cause du random, quoi. Aurora Beam, ça pardonne pas. Voilà. Donc je suis mentalement instable en ce moment. Du coup, il y a de grandes chances qu'au final on retourne faire du showdown. Ouais, les boules. Bah du coup, j'ai tellement les boules. Hop, Elix. Moi, je veux mon Elix. Je veux mon Elix. Je veux les chaussures. Je veux les chaussures. Ok, il me donne du carbone. Allez, c'est où? C'est là. Il y a Meniperton Docteur. Ouais, allez. Spiritombe. Oh oui. Yes. Ça, c'est bon, ça, Spiritombe. Ah, c'est pas encore fini. Attends, je vais en profiter pour voir parce que du coup il y en a qui proposent des échanges normalement. Ah, du Yav Aulucha, Crocroc, non, j'ai pas d'Aulucha. Machoke, Vorglali, j'ai pas de Machoke. Non, parce que sinon il y en a bien, genre échangerai mes cadavres. Voilà, mais je leur file mes cadavres et ils sont contents, hein. I'm looking for Braviary versus Leviel. Non, je sais pas non plus. Un moment facile. Voilà, Spiritombe. Yes. Elix. Qui est level 30 hein, quand même hein. Level 30.
Ah bah je le trouve stylé hein. Un cadavre contre un poké, c'est Tico qui doit kiffer. J'avoue. J'avoue. Ah d'accord, il a froid de frimousse. Il a méga sensu et il a aile d'acier ainsi que berceuse. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vu que la stat de défense spéciale normalement de Spiritomb est assez pétée, du coup en fait ça fait que l'on a une stat d'attaque spéciale, enfin de spécial du coup, puisqu'en AG on avait que le spécial, ça fait une stat de spécial qui est over 9000. Voilà. Quand même. Et donc là du coup là aussi en plus là on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Oh oui, alors ça, mais alors ça je dis oui tout de suite. Alors pourquoi je dis oui? Alors je oh non. Oh non. Oh non mais ça c'est nul. Putain mais voilà, on s'est fait niquer une zone comme ça. Ah mais parce que du coup l'euphorie, vu qu'il a une défense spéciale qui est cancer, sa stat de spécial, enfin voilà, juste tu mets juste même pas, tu le mets flamèche, putain il t'arrache tout le monde. Oh putain, non mais putain. Ouais, heureusement que j'avais le type ghost quoi, merde, mais non mais. C'est pas juste. C'est pas juste. Ah mais oui, mais là je viens de me faire enculer, bien sûr je viens de me faire enculer. Oh toxique, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ces Pokémon qui ont tous destruction comme ça? Ouais c'est ça, c'est un explosion challenge maintenant, c'est plein de... du coup attendez, faut que je retourne au centre Pokémon. Il est hors de question qu'on fasse mourir Elix des Pokémon rebeux. Bah ouais, non mais j'avoue, Pokémon à la Wagbar, putain. Ah non mais c'est ouf hein, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ah ta mère. À tous mes amis. Je dois partir. Alors, attends, faut que j'essaie de me rappeler à peu près le manoir, parce que là, pff, ça commence à être un peu loin. Matchup. Matchup qui est un soir quand même, voilà. Je ne dis ça, je dis rien. Oh putain, Smog. Mais je m'en fous, je m'en fous que je compte escape. Je veux moi, je veux m'escape. Je te demande pas ton avis. Ah, puis évidemment, vas-y, je me fais empoisonner. Allez, bah oui, c'est la fête. Allez, putain. Nique sa mère, putain. Allez, dégage. Hop. Mais non, mais... Mais arrêtez de me faire chier. J'en ai marre. Mais je peux pas m'enfuir en plus. Tiens le jeu, tiens.
Ah puis vas-y, je suis paralysé maintenant, allez, voilà, putain, c'est la fête. Ah bah oui, après, ouais, ma cognure, bien sûr. Got to wait, c'est fini, très bien. C'est vrai que tu vas perdre. Oui, je vais perdre. Ça m'énerve en plus. Mais non, mais je voulais pas monter à l'étage, moi je veux sortir. Oh, l'euphorie. L'euphorie qu'on aurait pu attraper. Mais non, évidemment, il faut qu'il y ait destruction. Bah oui. Mais non, mais je m'en fous que la porte soit loquée. Je m'en fous, je veux aller au centre Pokémon. Merci. Niquez vos mères. Waouh, un cheval! Un cheval! Il utilise Metal Claw. Waouh, moi je t'endors avec berceuse. Vas-y, cette chanson je la dédicace pour toi, si si. Mais oui, je rage sec! Bien sûr que je rage sec, merde. Là, concrètement, cet épisode, c'est de la merde. Mon Findu, c'est mort. Mais oui, Findu, c'est mort. Voilà, Findu, c'est mort. Dites-le vous une bonne fois pour toutes. Prout. Ouais, feu forêt. Stylé. Mais laisse-moi m'en aller. Chien. Voilà, bim. Ok, un combat, cool. Ripérieur. Ripérieur. Ripérieur qui va prendre son méga drain et qui va aller se coucher dans son panier, hein, voilà. Coucouche panier, voilà, parfait. Lord Elix quand même. Ouais, sinon salut Drose, comment ça va? Blastoise, bah c'est pareil, allez hop, bim. Blastoise, t'es sérieux, Super Fang, ça a fait les types spectres? Eh bah écoute, merde, je fais Mega Drain, coucou je panier. Ouais, il fait Sword Dance. Je m'en fous, moi je. Voilà, je suis un mec, voilà, je suis comme ça. Oui, oui, oui. On peut pas faire pire que moi là, ouais. Non, mais ta merde. Non, puis voilà, allez, allez, bah, je me casse. Ah, de toute façon, voilà, je vais encore envoyer Omigod, Omigod qui va sauver la situation. Là, mais quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Hop, tu prends ton jeton et tu vas te niquer. Merci. Mais non, mais il est pas mort en plus. Tchon. Merde quoi. Ouais, c'est là. Parfait. Ah oh bah oui, bah vas-y Moon Blast quoi, merde. Nick, c'était pas là, mais... Ah
No! Voilà. Putain. Et si je sais au fond que moi c'était pas là. Victini, bah oui. Allez, c'est la fête. Ah ouais, non merde, putain, je suis... C'est vrai, je crois que je suis à deux droits de faire une crise cardiaque. Bonjour, je suis à l'école, bande de méchants. Ah, très très bien. Je vais manger ton âme. Non. Non, tu ne mangeras pas mon âme. T'inquiète pas. C'est le premier trou. Tu pouvais pas me dire directement que c'était le premier trou. Au lieu de me dire après le dresseur de je sais pas quoi, plus à gauche, machin. Bah non. Bah escalier, celui que... Nique-toi, Dahlia. Nique-toi. Tu m'énerves. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve avec toi. Ça sert même plus à rien. Oui, bon, Guinfrex, tu retournes dans ta culotte. Merci. Oh là 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 là. Mais oui, c'est de ta faute. Toujours de ta faute en plus. Saint-Michel, je m'en fous, c'est de la merde. Là là, le mec tellement loup, j'avoue. Non mais c'est... Il est trop relou. Alors, faut surtout pas aller par là, c'est la sortie. Bah oui, Blaziken aussi, bah oui, histoire de... Mais ouais, il aime trop faire rager ses potes, mais c'est, en fait c'est un connard. Hein. C'est un gros connard, mais chut, faut pas lui dire. Faut pas lui dire que c'est un gros connard, parce que sinon il va s'énerver et puis il va aller bouder dans son coin et après il va dire ouais, t'es méchant. Est-ce que du coup on peut dire que si tu perds, c'est la faute à... Oui, tout à fait. Exactement. Oui, c'est toujours de sa faute. De toute façon, voilà, c'est... C'est comme ça, hein, c'est toujours le... Allez, voilà, c'est comme partout, hein, c'est toujours... De toute façon, le responsable, c'est toujours le petit juif. Voilà. Bien sûr, c'était une blague, hein, bien sûr. Bien sûr, c'était une blague. C'était une blague. Mais je m'en fous de ta gueule masculine. Putain. Mais elle est où la statue, putain? Je trouve pas la statue. Je trouve plus la statue. Ah oh bah oui, bah le caillon, niveau 40 en plus. Bah tiens. Jeu de merde. Ah bah elle est là, la statue. J'ai trouvé une Firestone, ça tombe très bien, j'aurais pas de Pokémon qui pourra en avoir besoin, c'est très très bien. Hop.
Et oui, c'est toujours la faute des speedrunners, ils n'aiment pas le jeu. Bah bien sûr. Salut Mario, comment ça va? Ah bah après avoir eu l'euphorie, on a le vénard. Oui. Je veux appuyer sur le bouton. Là c'était 10. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, là c'était crasse face, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, là c'était crasse face. D'accord, j'ai trouvé un truc. Ça devait être ça du bugger. Ok, voilà, maintenant j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, je me barre. Oh, oh. Ah, des météoros. Ah, toi qui es mort. Voilà, suite après avoir pris une autre Montréal. Vas-y, pose ta question, Dross. C'est bien, moi je joue à le Forestrat et Crasse Face. Tu fais ce que tu as. J'ai toujours des HM et tu rages tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je rage. C'est comme ça, je rage. Puis le jeu ne m'aime pas, le jeu me troll, je me fais enculer dans tous les sens. Moi, à force, avec tous les nuzlocks que j'ai fait jusqu'à présent, je peux te dire que j'ai un anus et dilaté, mon pote. Hein, il est dilaté, mon anus. Bon, ça commence à m'énerver un chouïa. Ah, item. Normalement j'ai un rappel quelque part. Oui. Use ripple. Voilà, parfait. You. Allez, on accélère un peu parce que là, ça commence à m'énerver. Bon, ça va vraiment légèrement m'énerver. Et oui, bien sûr que c'est la faute de Dahlia. Bien sûr. Voilà, ripple effect is worth. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, merci. Oh merde. Bien sûr que c'est la faute de Dahlia, c'est toujours la faute de Dahlia, il faut pas chercher ailleurs. Que l'on crucifie ma bastiblo pour son euphorie, j'avoue. Ah mais attends, merde, il faut que j'aille déposer Spiritomb, alias Lord Elix. Le secret key, c'est pour ouvrir l'arène.
Ok, good, good, good. Ouais, Lucario spécial, bien sûr. Ah oui, s'il me l'envoie, c'est qu'il est Scarf. Donc bon, voilà, Vakumu F-tu. Y'a pas d'embrouille. Bah ouais, bah, Lucario, en fait, a des stats pour être mieux joué sur spécial, hein, quand même. Puis après, c'est surtout que jouer Lucario physique, ça s'adaptait pas très bien avec la team. Bah déjà, qu'il y a pas grand-chose qui s'adapte avec cette team. Ah, il tient, fils de pute. Ah bah merde, bah RT. RT. Après, je joue aussi Simia Bras spécial, mais évidemment... Il mise tout le temps son Fire Blast, Toi, tu veux faire quoi avec Nidoking comme team? Non, Nidoking est très très bien. Nidoking, c'est l'un des meilleurs Pokémon de la team. Avec l'Agron. Au pire, de toute façon, là, ça fait passer des tours de sable. Hein. Moi, je m'en fiche. Voilà le Fakout. Et là, bam! La Gronga. Hop, je tiens tes attaques. Je fais danse pluie. Et là, je te sweep. C'est fini. Oh, mais non, mais si je prends des coups. Dahlia, c'est encore ta faute. Dahlia, c'est de ta faute. Allô? Oui, Dahlia. Bonjour, c'est ta faute. Dahlia, ta faute. Dahlia, ta faute. Toujours ta faute. Le retour qui ne tue pas. Ah, ah, ah. Et étant donné que je suis Scarf avec Nidoking, il y a moyen. Ah bah non, mais il a le ballon. C'est stylé. Vomère à tous. Vas-y, Drous, allez hop. Bon, allez. Ouah, la team stylée. Ouais, c'est joli. J'aime bien. C'est une team monocouleur, ça. Bah oui, c'est une team monocouleur. Vide avec Simia Bras. Alors, on va faire demi-tour. Bam. Je sais pas drôle, je pense que ça doit être le lead. Scarf PDR. Oui, bonjour, vas-y, mon cœur. Ta gueule. Boum, Flare Blitz. Alors là, ça va pas être la même limonade. Boum, je t'enlève la moitié de ta vie déjà. Ouais, séisme. Ah, très très bien. Très très bien, ça c'est très très bien de jouer séisme sur Latios pour contrer les Zitranes qui vous viennent dessus. Moi je joue pas mal ça aussi en ce moment. Bon, du coup, pour une fois, Mboar aura fait son taf. Hein. Sacrifier alligator qui me sert à rien. Oh, le drain punch.
Sorti des bas-fonds des abysses. La vitesse extrême, toujours. La bim, mon gars. Match de Lucario, qu'est-ce que tu as à faire? Moi, je te fais Vacuum Wave, mon gars. Eh ouais! Vacuum Wave pour counter les autres Lucario, ben oui! Mais bien sûr que Dahlia n'a pas de cœur, ça se saurait. Bien sûr que ça se saurait si Dahlia avait un cœur, bien sûr, mais oui. Le maître est hors match, il n'a pas la proc. Netbutt. Le waterfall. Et là c'est fini. Là c'est fini. Normalement c'est fini. Après c'est sans doute méga Altaria. Alors. Bon bah c'est méga Diot aussi. Ok. GG Drof. Tu t'es fait speedrun Dross. Oh là là. Dahlia TG. TG. Sinon attendez, on va faire un tri. J'ai joué avec ma balance. Je vais essayer de me refaire un peu de ladder. Parce que là je sais plus trop où j'en suis. Waouh, c'est quoi ça? C'est une team ça? Ouais, oui, il faut que tu changes des trucs, il y a plein de trucs qui vont pas. je peux me faire toute la team avec Pyrax, hein. Je me fais toute la team avec Pyrax, hein. Même avec Terra. Mais oui, Quillfish, hein. Prochain suspect test. Intimidation. Pas possible, c'est une team de soutière. C'est trompé le type. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire contre DJ Nocid, mon gars? Bim! 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 Une papillonnance, mon gars! Scald! Ça ne fait rien, strictement rien. Je peux replacer une papillonnance! Parce que j'anticipe le switch! Eh oui! Et là, c'est le drame. Non, attends, peut-être pas. Deux papillons dans, s'il posait, ouais. Non, je voudrais juste regarder ses bas stats. Ok, il a que dalle en SP. Donc normalement, je pense que le Gigadrain, il le tue. Hein. Voilà. Avait un petit doute parce que du coup il a quand même le double type, enfin il a quand même le type dragon, donc du coup ça fait que x1, mais en plus la musique elle va tellement bien avec Pyrax. Hop là, il va prendre un bug buzz. On va prendre le risque de miss fire blast, hein, parce que bon, j'ai tellement pas de chance. Pfff.
Bonjour, Giga Brain. Don't fuck with Pyrax. Catacombe, très très bien. Mega Stylix. Ah putain, je mise Fire Blast. Et voilà, il me tue par contre avec séisme. Alors voilà, merci Dahlia, c'est encore de ta faute. Dahlia, c'est de ta faute. Ah oui, tu peux toujours essayer de faire séisme sur Flagados. Là je m'en bats les couilles en fait, là je le sacrifie, il me sert à rien, de toute façon. Là après de toute façon je vais au pire ce bromeur, je m'en bats les couilles. Hein. Pire Slowbromer, je m'en bats les couilles, et après je ramène Terra, je finis avec Terra. Terra, voilà. Leafblade. Hop, le Scald. Ouais, il est plus rapide quand même que Slowbro. C'est bien. Il a dû l'investir. Il a investi son Mega Stick sans vitesse. Oui, bien sûr. Et voilà, Mega Ptera for the win. Easy, easy. Ah, il tient. Je le connais tellement pas, Quillfish. Je connais pas ce poké, hein. Je vois, je... Bon, pff, tiens, j'ai la Malaysia Airline derrière. Ok, des bisous de Rose, merci d'être passé. Voilà. Boum. Et bon, ça aurait pu être plus rapide grâce à Pyrax. Ça joue chez Mine. Ok, c'était pas le bon lead. Voilà, le vote dessus, je me ferai. De toute façon, j'avais... Mais oui, il est génial à jouer, Megapta. Moi, j'adore. Hop, je renvoie Slowbro. Et U-turn. Donc du coup il va re-ramener Manétrick. Pourquoi? J'ai tenté de le brûler. Brûle. Brûle, putain, chien pourri. Ah, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il soit Choice Bond peut-être, hein, parce qu'il m'a fait mal, hein.
Ouais, je pense qu'il est Choice Band. Non, ah non, 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 s'il avait été le Choice Band, il m'aurait fait plus mal sur, sur crotte de nez. Alors, concrètement, il faudrait qu'on, qu'on check s'il a super power, mais. S'il ne l'a pas, il peut switcher. Sur quoi il peut switcher? Je ne sais pas trop. Peut-être sur la. On va placer les rocs. Ok, Shaymin. Shaymin peut avoir la PC feu. Mais dans tous les cas, la PC feu ne tue pas. On va envoyer Jean-Claude Van Damme. Voilà, il a la PC feu. Ouais, je pensais bien aussi qu'il y avait de grandes chances qu'il switchait. Je vais faire partir un Fire Blast. Oh, Sid Flair qui tue sur le coup critique. Merde, mais non, il le tenait, je suis sûr. Hein, putain, vraiment. Ah, putain, il reste. Yes, ça miss, mon gars, ça miss. Hop, Shaymin, tu dégages. J'ai eu du bol que le Sid Flair miss, quand même. Hein. J'ai eu beaucoup de bol là-dessus. Bah lui, de toute façon, il est Scarf, hein. Il va nous faire une tête de fer, voilà. Il va ramener Manetric. Ah non, il ramène Lando. De toute façon, j'annonce que Lando, c'est Lando Russe défensif. Parce que sinon, il n'a pas d'autre poseur de rock. Je vais envoyer Slowbro. Voilà, il pose les rocs. Je vais taper un petit choc. Parce que je pense qu'il va ramener Azumarill. Voilà. On va faire un slack off. Parce que normalement le playroof ne tue pas. Sauf si en effet les bandeurs. Ce qui je pense qui je n'est pas le cas je pense. De toute façon au pire ce bro ne sert pas vraiment. Donc au pire, voilà. Ouais mais là tu vois bien c'était pas un Scarf PDR donc hop voilà. Là on va faire péter une Dracométhère. Salut Futon, comment ça?
Ouais, t'es sérieux, ça m'a mis ça là? C'est quoi ce bordel? Ah d'accord. Bon, pff, au pire, on me laisse. Non, on va taper le backbase directement. Parce que je pense que, à mon avis, il y a des chances qu'il fasse le switch sur Azumarill là. Parce qu'il est peut-être pas forcément sûr de nous tuer. Non, le lance-flamme, d'accord. Bon, voilà, alors déjà, ça c'est bon ça. Brûle. Hop, on va passer les PDR. Ah, marre de tag de merde. Ah, désolé. Moi, ça va, ça va, ça va. Il a forfait. Ok, bon, parfait. Donc, du coup, je suis à 1358 sur le ladder. Ah, une team double climat. Ah, peut-être pas en fait. Peut-être pas double climat. En fait, non, non. En fait, je pense qu'au vu de sa team, ça doit être Dracofuix en fait. Ça sont. Ouais, c'est ça, ça m'égare. En fait, ça doit être Dracofuix parce que du coup, en fait, il joue Manaphy. Il joue Manaphy. Et en fait, il jouait Dracofuix Y en même temps que Manaphy. Et ben, en fait, ça l'emmerderait. Nouveau player de merde se touche. Ah ouais, je suis assez d'accord. Oui, c'est un X, oui. Oui, ma bestie, c'est un X. Va voyer Maizière là, dans l'île. Voilà, exactement pour ça que j'ai envoyé Maizière là, parce que je pensais bien qu'il enverrait ça en premier. Et pire, de toute façon derrière, s'il y a besoin, de toute façon derrière, j'ai Slowbro qui est là. Oui, le X remonte beaucoup, ouais. Le X remonte beaucoup du fait qu'il y a plus, du fait qu'il y a plus des Météros. Des Météros génie. Avec Manaphy et Ferro, le Y, je suis pas fan. Non, moi non plus, je te rassure. Mais voilà, de toute façon, on a bien vu, c'était le X. Il va faire un U-turn. Knock off? Ok. Là, on va check voir s'il a une wave. Non, non, Hurricane, ok. Alors, par contre, ça, ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Non, il passe pas mon Slowbro. Mon Slowbro il est full def et en plus il a le casque brut. C'est pas mal ça, moi j'aime bien. Mais il a une très bonne team, hein. Il a une très bonne team en face.
Non, en fait, j'ai pas trop envie de rester. Même si c'est pour placer. Ouais, voilà, Stone Age. Ouais, si tu perds le tempo que tu laisses. Ouais, non, mais bien sûr, hein, bien sûr. On va taper une Giro. Ah, bah merde. Ah, merde. Hop, il met des picots. Là, on va envoyer un Fire Blast. Notre Fire Blast, le HKO, parce qu'on est Melodel Life Orb. Hein. Voilà, tout simplement, il voulait sacrifier son ferro pour pouvoir envoyer son Minot. Alors, le Minot qui doit être Life Orb. Il doit être life form. Je pense qu'il est life form parce qu'il a pas le ballon. Hop, voilà, on prend des dégâts inutilement. Non, non, il est pas apparemment, il est pas life form. Non, il y reste. Ok. On va faire un psy choc en anticipant Manaphy ou Tornado. Il y a plus de musique, on va remettre. On va remettre. Tu vas mettre Gunnen Roses. Hop, voilà, c'est bon. Cool. Bon. Là, techniquement, je sais pas trop où on en est rendu. Faut que je garde absolument Slowbro pour le Minot. Salut Panier Garni, comment ça va? Au final, Melodelph me sert pas trop. Knock off. Ok, il voit que j'ai la life orb. Le Hurricane en plus qui nous confuse et on se tape dans la confusion, très très bien. Le Axe, tout ça, tout ça. Hop, on va pas chercher, on va s'apistonner. Ça va, merci, ça va, ça va, ça va. Évidemment, il y a Armen Hippo. Je vais ramener Slowbro. Voilà, Stone Age qui fait 15% tout entier. On va taper Ice Beam. Ok, je pensais qu'il allait switcher. On va taper Slakoff, il nous tue pas, le séisme. Alors par contre, il a pas l'air d'avoir Heat Wave. Il a pas l'air d'avoir Heat Wave hein, sur son Tornadus. Mais au final, Tornadus, je suis moyen fan dans sa team quand même. Parce que du coup, normalement, sous le sable... Sous le sable, Hurricane, je crois que ça passe à 50% de précision, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop là, on tape le scan. Hop, parfait. Comme ça, du coup, en fait, on va chercher vraiment à faire passer le plus possible à Sandstorm pour pouvoir gérer le Minotaur après très facilement avec Megaptera. Il va envoyer là, il envoie Tornadus, c'est évident. Je ne vais pas rester.
Je vais envoyer crotte de nez. Crotte de nez. Ok, Icy Wind. D'accord. Je sais pas qui est-ce qui l'a anticipé. Non, il me semble que sous le sable aussi. Là, j'aurais... Là, je vais taper une gyro. Et vu que j'ai encore de la speed qui a baissé, sur n'importe qui, normalement, ça devrait faire mal. Bien sûr que la gyro aurait fait mal. Alors là, là il va sans doute essayer de se placer avec une lumiqueux. Et ça tombe bien, j'ai Power Whip. Non, Psycho, ok. De toute façon, normalement je suis plus rapide que lui. Normalement, Gigarin ne tue pas, mais va bien l'endommager. De toute façon, je suis plus rapide. Mon adversaire sous tate. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Jérôme. Même, en fait, ça le met dans la KO range aussi de Megaptera. En fait, c'est surtout ça. En fait, c'est surtout que je cherche à finir avec Megaptera parce que Megaptera finit. Megaptera peut finir la game. Dracole spécial sur l'arène, vous conseillez. Je l'ai déjà joué dans Made in Malgache. Je l'ai déjà joué dans Made in Malgache. Si tu le joues avec la ville d'assurance, éventuellement, oui, ça peut être rentable. Mais après, il te manquera de la vitesse. À ce moment-là, faudrait que tu. En fait, moi, ce que je fais quand je l'ai joué comme ça, c'est que je le jouais avec la ville d'assurance, je le jouais avec Hat, Dragon Pulse, Vent Violent. Et une autre attaque, je sais plus laquelle. Là, c'est des jouets peut-être avec Roost en fait. Et ça faisait son taf. Il n'y a pas une mauvaise stat d'attaque spéciale, mais bon, enfin après voilà, j'ai envie de dire quand même que le voilà, c'est quand même mieux.
Il était joué avec le Rocky Helmet en plus. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, le respect est mort. Motisma. Oui, je sais que je suis plus lent. Mais en fait, je pensais qu'il allait switcher parce qu'il a trop... Il avait trop besoin de sa vie. S'il missait, il perdait son Tornadus. Et du coup, il perdait une occasion de me... De me foutre la pression. Je vais envoyer... Ce qu'il aurait... Non... Oh, le coup critique, putain. Ah là là. On va slow bro. Hop, pour que lui, hop, le retour. Ouais, voilà, ça fait pas grand chose. Taper un scald. Qui pourrait venir brûler n'importe qui. Brûle. Putain, mais il brûle jamais. Il ne brûle jamais. Hop. Taper une lichine. Voilà. Comme ça, comme disait Thierry Roland, on pourrait presque mourir tranquille. A tenter softball, non, le psychoc, ok. Ok, soit il est à sauver, soit il a un choice. Là, concrètement, là, ça commence à être difficile, là. Là, le match commence à être assez difficile, hein. Le Stone Age. Ok, il a envoyé son Tornadus à la mort. C'est peut-être pas ce que j'aurais fait parce que du coup. Là, ça va être quand même un tout petit peu plus facile quand même pour. C'est un petit peu plus facile pour Slowbro. Déjà, la vie pour Slowbro va être un peu moins compliquée. Dark Pulse, ok. Mais je vais mettre des PDR. Oh, c'est le Heatran Power Herb. Oh, ça va être compliqué là maintenant. Ok, il loupe pas son high jump kick. Son Motisma est quasiment full vie. Il est peut-être Scarf. Ah, il est Scarf. Oh, puis le finish. Bon, non, mais nique ta mère. Allez, hop. Je pouvais gagner sur un crit de Stone Age. J'ai pas envie de rester sur une défaite quand même. Oula, la team. Drôle de team.
Ok, ça envoie Mew. Eh, tu kiffes pas la vibe, hein? Oh putain, plus il le joue avec Hypnose, quoi. Merde, mais non! Don't take Hypnose, merde. Puis lui il peut se placer lui par contre hein. Ouais. Fury Dance. Ah mon Fire Blast à moi il se fait rien. Sympa. Là en fait là concrètement je lui fais rien. Voilà, je peux rien faire. Là normalement là, je me fais sweep. Ok, c'est bon. La Fiery Dance n'a pas tué. Je sais que c'est de ta faute, connard. Bisous, bonne nuit. Hop, il prend plus de dégâts que je lui en inflige. C'est parfait. On va taper un scal quand même. Knockoff. Why. Hop, brûle, chien pourri. Oh, mais jamais il brûle. Mais merde, quoi. Et c'est pas normal qu'il m'ait infligé autant sur un crit. Normalement, il me tue pas après m'avoir saboté mon objet. Hein. Hop, t'inquiète, je comptais continuer à t'attaquer, t'inquiète pas. Toi, le Mew cancer, tu te casses. J'avais jamais vu un Mew avec Hypnose. Hein. Enfin, Hypnose en strat, non, c'est non. Hein. Je vais tenter de le brûler. De manière un peu, comme, comment dire. Voilà. Oui, parfait. Knocking on heaven's door. Ok, jamais il se réveille. Et mis sur Tarpo quand tu sais pas comment être.
Oui. Oui, moi je préfère le jouer toxique, un tarpo, hein, perso. Hop, là j'y reballe, voilà. Le 6 or. On va tenter de le brûler aussi, le 6 or. Brûle. Voilà. On va placer les lichides. J'ai perdu Slowbro beaucoup trop tôt, ça m'énerve. Ouais, poser des PDR maintenant, éventuellement, ça peut. J'ai encore besoin de ferro contre Azumarill. Oh putain, le bug bite. Oh là 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 là. Ah, mais j'ai perdu. J'ai perdu. Pas d'embrouille. J'ai perdu Slowbro beaucoup trop tôt. Et normalement, il était pas censé me le tuer sur le deuxième Knockoff. J'ai pas compris. Oh, voilà, on replace des lichides. On récupère à peu près tout ce qu'il nous a enlevé. Le Earthquake qui vient nous tuer. Et de toute façon, on a perdu puisque la Sumarille est à Quad Jet. J'ai perdu Slowbro beaucoup trop vite. Oh, c'est un cogneux binon. D'accord. Ah bah peut-être qu'il a pas un quadjet. Ah bah si. Parce que parfois les cogneux binons sont pas forcément joués avec un quadjet. Pourquoi, je n'en sais rien. Bon bah écoutez les gens, moi je vais vous laisser là-dessus. Sur des défaites. De toute façon, tout le monde sait que c'est la faute de Dahlia si on a perdu. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'être venus pour ces presque 4 heures de stream, ce qui est quand même assez énorme. Je vous remercie vraiment tous, merci à tous ceux qui ont follow. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter pour être au courant de toutes mes dernières actualités, ainsi que de savoir quand est-ce que je stream, quand est-ce que je lance des lives, de savoir qui je troll, comment je troll, etc. Voilà. N'hésitez pas aussi éventuellement à vous abonner à la chaîne YouTube. Hein, voilà. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous faire des bisous. Merci vraiment encore à tous. Merci encore vraiment à tous d'être venus quand même aussi nombreux à certains moments. Parce que quand même, attendez, je vais vous donner les chiffres jusqu'à où on est monté. On est quand même monté jusqu'à 20 viewers. Ce qui est pas mal quand même pour un streamer débutant comme moi à 10 h du matin. Donc voilà, écoutez, voilà, donc encore merci à tous. N'oubliez pas que vous êtes super, je vous fais à tous des bisous. Et portez-vous bien et passez tous une bonne journée. Voilà, des bisous!